mon plus grand triomphe approchait. La bataille finale dans ma longue guerre contre Superman. Tandis que ses pouvoirs étaient drainés par le combat constant, l'envoyant dans l'espace pour se recharger grâce au soleil jaune, j'ai frappé. Même mon obsession m'avait aveuglé, cachant la menace réelle du véritable ennemi de la Terre. Cyborg, dirige tes tirs sur Luthor pendant que j'appelle l'artillerie. Deathstroke, il est temps pour toi d'entrer en scène. Beaucoup de meurtres en attente. Quelque chose. Salutations, ma sœur. Personne ne peut tuer la chauve-souris en dehors de moi! Appelle-le! Qu'il vienne jusqu'à moi! Vaincu par un simple mort. Non, tu as tout perdu. Non, je t'ai battu. Brainiac était de retour.
Depuis des années, ils volaient le pouvoir des protecteurs de la Terre, mais nous étions trop occupés à nous combattre pour nous en rendre compte. Vous trois éliminés, Brainiac se débarrassa rapidement des autres héros. Les plus chanceux périrent au combat. Au final, moi seul ai survécu. Un rat, errant dans les murs de Brainiac. J'ai voyagé dans le temps pour vous prévenir. Ceci est mon passé, mais votre futur. C'est la fin de l'humanité. Ainsi ensemble, nous devons changer cela. Qu'as-tu fait, Luthor ? Je vous ai laissé une chance. Mensonge. Ça fait partie d'un plan. Pourquoi te ferions-nous confiance ? Parce que sinon, la Terre sera condamnée. J'ai volé les Exobytes de Brainiac et les ai libérés dans l'atmosphère terrestre. Ils recèlent les pouvoirs dérobés aux héros et criminels de mon époque et les transmettront à quiconque les touchera. Les Exobytes créeront une nouvelle race de surhumains pour combattre l'invasion de Brainiac. Vous devez leur apprendre à utiliser leurs nouveaux pouvoirs, car ils doivent prendre place au premier rang du conflit à venir, où mon sinistre futur deviendra le vôtre. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on va se faire une découverte, quelque chose que j'avais pas essayé alors que ça fait un moment que je lorgne, mais ça me donnait pas trop envie, puis je me suis dit pourquoi pas, je vais l'essayer. J'ai eu envie de vêtir voilà, mes ailes, mes super pouvoirs, j'ai eu envie de vêtir aussi, mais tant qu'à y être, mes gros nichons. Donc du coup voilà, en gros, je vais essayer de faire une petite découverte sur le jeu DC Comics Universe. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Donc vous avez vu la petite intro en image de synthèse que j'ai mis au début de la vidéo, qui est franchement une intro qui pète bien. C'est vrai qu'honnêtement, j'ai été surpris. Elle est vraiment pas mal cette intro. Et du coup, je vous ai passé le stade où j'ai créé mon personnage, hein, parce que honnêtement, c'est super bien fait quand même. J'y ai passé du temps. Il y a vachement de paramètres qu'on peut régler en termes de, voilà, de tête, de pouvoir, de caractère, de d'habits, de couleurs de peau, de chaussures, de ceintures, hein. Enfin bref, c'est assez énorme. Il y a vraiment beaucoup de possibilités pour se faire un personnage, on va dire, unique. Et voilà, moi je me suis fait donc cette nana là, qui est plutôt bonne. Donc voilà, c'est un héros, parce qu'on peut choisir d'être soit le héros, soit le méchant. Alors Mentor, bon, mais c'est les pouvoirs que j'ai choisi qu'elle devait avoir. Donc comme c'est un free to play, forcément j'avais pas tout de possible. Après il faut payer pour avoir des suppléments. Je crois que j'avais Batman, Superman et l'autre Flash peut-être, hein, je sais plus. Bon, j'ai pris Superman parce que j'avais envie d'une nana qui vole, hein, voilà. En termes de, c'est pareil, il y a énormément de choses en termes de pouvoir. J'ai pris la glace, hein, et en arme j'ai pris le pistolet double, mais c'est pareil, en arme il y a plein de choses à faire. Enfin bref, en termes d'éditeur de personnages, j'ai été vachement surpris, parce que voilà, c'est énorme tout ce qu'on peut faire. Après ça reste un free to play, et je suis pas fan des free to play. Moi j'aime bien me payer un jeu et avoir tout dans le jeu, ou au pire des DLC, d'accord. Mais là bon, le free to play je suis pas fan, mais je me suis dit quand même qu'on allait quand même se le tenter. On va regarder ça de suite. Alors je sais pas si vous aurez l'image à l'écran, parce que généralement des fois les images sont censurées. Donc peut-être vous avez un écran noir, mais moi j'avais une belle photo de DC Comics. Donc voilà, donc ça c'est vraiment voilà, le tout début du jeu. Et je vais faire un petit peu cette découverte avec vous. Ok, je suis Oracle, et on va te faire sortir de ce vaisseau.
Cherche une porte qui mène à l'extérieur. Ok, donc voilà, donc notre objectif est de chercher une porte qui mène à l'extérieur. Donc voilà, on a un radar qui nous permet, bon, ben forcément de nous repérer sur la carte, rien de enfin, c'est basique quoi. Ensuite, nous avons, bon, ben voilà, tout un menu d'inventaire. Hein. Voilà, après les styles, donc apparemment on peut débloquer encore des styles pour remodifier son personnage par la suite. Le journal des quêtes, voilà, donc ça a tout des compétences qu'on va pouvoir débloquer, ça a tout d'un vrai MMO, et c'est vrai que même sur internet, j'ai pas regardé les vidéos, je sais même pas ce que ça donne, je sais même pas du tout ce que vaut le jeu, si ce n'est que j'en avais entendu parler et qu'effectivement, apparemment c'est assez énorme tout ce qu'on peut faire dedans. Activité humaine dans le secteur de détention 1037. Qu'est-ce que t'as toi? Dysfonctionnement de la chambre de conversion. Allez, on va y le castanier lui, il me plaît pas. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai deux flingues. Hein. Donc ça, voilà. Ça, c'est mon arme principale. Après, je peux voler. Hop là, voilà. Je détecte des forces qui se rassemblent derrière cette porte. Hein, derrière la porte, il y a du monde. Graphiquement, c'est pas dégueu. Allez, on va descendre. Hop là. Graphiquement, c'est pas dégueu. Et oh putain, les enfants. Allez. Est-ce que mon flingue, il est bon ou il faut que je tape plutôt? Ok, impeccable. Allez, on a désingué du robot. Donc par rapport au scénario, c'est plutôt sympa, hein, le fait que voilà, on revienne dans le passé pour voilà essayer de faire en sorte que les choses n'arrivent pas, avec le fait que les humains aient récupéré des super pouvoirs pour pouvoir s'allier un petit peu aux super héros ou aux méchants pour sauver la Terre. Bon, l'histoire est pas mal. Par contre, je tire, ça loque pas l'ennemi direct. Allez. Ok. Alors, je sais pas après si j'ai des super pouvoirs pour vraiment balancer quelque chose, mais on verra. Allez, on va continuer. On va essayer de se tirer de cet endroit. Une sale gueule, cette araignée mécanique. Hein. Ah oui, on va devoir se lanquiller. Ah bah oui, on va se lanquiller. Allez, hop là, loupé. Oh nom de Dieu, il fait mal lui. Allez, je vais me mettre un petit peu en hauteur. Ah, ça loque pas en fait, ou alors il y a peut-être un bouton. Ah, peut-être il y a un bouton pour loquer. Ouais. Putain, mais il me fait mal cet enflure là. Ah, mais en plus il me refait descendre même quand je suis dans les airs en fait. Je suis au mindbrel, hein, attention hein. Ah, d'accord. Évitons de croiser une de leurs patrouilles. Cherche un tube de transport au-dessus de toi. Il traverse le vaisseau. Utilise-les pour continuer à avancer. Ok. En fait, quand il était à terre, je devais le taper sûrement dans un point sensible. Mais bon, j'ai pas capté tout de suite. Appuyez 3 pour passer en mode déplacement. Bon, ben, je pense qu'il faut que j'aille en haut là. Hop là. Tan, tan, tan. Oula. Qu'est pas ça. Tu as gagné un point de pouvoir appuyer pour ouvrir l'arbre des pouvoirs. Alors, l'arbre des pouvoirs. C'est ça. Donc on a gagné un point. Donc il y a tempête, cryogénie et pouvoir emblématique. Puisqu'effectivement j'ai pris le pouvoir de la glace. Donc c'est un petit peu ce que je peux monter. Alors, tempête inéluctable engouffre tes cibles et les ennemis à proximité dans une tempête concentrée pour attirer vers toi et leur infliger des dégâts. D'accord. Ici on a quoi? Cryogénie, repos à capacité, transformer la glace, ça me plaît bien ça. Je peux le prendre? Ouais, allez, je prends ça. Et après on verra par la suite, hein, parce que peut-être j'en ferai d'autres, hein, vidéos si je vois que ça me plaît. Les unités, le sujet ne se trouve plus dans les couloirs principaux. Passez le vaisseau au peigne fin.
Ah, au peigne fin, ils vont passer le vaisseau, attention, hein. Ouais, donc du coup, ça me plaît, peut-être que je ferai une vidéo de temps en temps, on verra. Bon, je vais voler, ça va plus vite, hein. Ah, c'est quoi? Je peux l'ouvrir, ça? Ah, mais oui, il faut y taper dessus, d'accord. Allez. On est où, là? Le vaisseau tout entier est connecté à Brainiac. Tu dois absolument continuer à avancer. Alors, je sais pas s'ils avaient sorti ce jeu là avec abonnement et puis après ils ont changé de politique et ils sont passés à du free to play. C'est possible. Il me semble peut-être que c'est un petit peu ça. Par contre, est-ce que je peux passer à travers des trucs comme ça? L2. D'accord. Super pouvoir. D'accord, bon bah en fait il y a une jauge hein, pour le super pouvoir. Ok, bon on va aller par là. Non, je peux pas y aller. Ok. Ah, on va aller là. Hop là. Prépare-toi. Le vaisseau envoie des défenses de ton côté. D'accord, allez, envoyez la sauce les gars. Oh putain, je les avais pas vu venir. J'aime bien les flingues comme ça, là, ça me fait penser à un petit peu à Devil May Cry, quoi. Quand j'ai vu les flingues, j'ai dit, tiens, c'est pas mal. Ça fait un peu du Devil May Cry. Je vais prendre ça. Mais j'aime pas ça, là, ce qu'ils me font, eux. Allez, mange. Ouh, là, je fais un truc, ça fait mal. Après, je suis pas quelqu'un qui joue au MMO, hein, donc c'est vrai qu'en termes de jouabilité, ça me fait un peu bizarre, hein, mais bon. Voilà, vous avez compris qui c'est le patron, c'est moi. Quand vous aurez d'aussi gros nichons que moi, vous pourrez me commander. Allez, hop, on se met à terre. Est-ce qu'il y a des coffres qu'on peut casser ici? L1. Ah voilà, c'est L1 pour verrouiller la cible. D'accord. Mais ça me l'a dit. Du coup, c'est impeccable. Hein. Je sais pas si je peux le péter, ça. Putain, c'est solide. Ah oui, j'ai le pouvoir de glace, en fait, là. C'est pas mal. Hein. Elle a de la glace qui se met sur elle et tout. Et elle a ses super pouvoirs qui sont activés. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, on va pas passer du temps à péter une caisse, hein. Je voulais voir si ça pétait, mais bon, c'est pas grave. Hein. Allez, on continue. Je vois sur la carte qu'il y a des... Il y a des bonhommes rouges, hein. Donc, il y a des enfoirés qui sont là. Ah, c'est bon. C'est pas mal. J'ai trop verrouillé les cibles, hein. Et c'est plutôt pas mal. Tire-toi. Pour l'instant, je me les fais au flingue, hein. Ça suffit. Oh, qu'est pas ça. Je croyais que quelqu'un m'avait balancé un truc. Ah, c'est plutôt pas mal. Après, il faut voir sur la suite. Hein. D'accord. Donc, on arrive enfin à ces fameux tubes de transport. Et ici, où ils sont pas qu'un. Oh, ça fait mal. Je piche pas grand chose à ce qui se passe, hein. Mais ça fait mal. Allez, impeccable. Allez, on continue. Alors, L3, verrouiller un mode déplacement. Ok. Tantant. Allez, descend. Ça, je peux le casser. Je l'ai vu tout à l'heure. On peut le péter, ça? Ah, mais putain, j'aurais pu péter ça aussi.
Ça me donne des... peut-être des choses... ou pas, j'en sais rien. Alors, appuie sur L3 pour verrouiller ou déverrouiller. D'accord. Il faut que j'aille là-dedans, je parie. Au nom de Dieu. Ouh. Une bagnole. Mais tu sais qu'est-ce qu'elle fout, la bagnole, là? Elle est pas terrible, la bagnole, quand même, hein. Bon, c'est quand même un monde ouvert, hein. On va pas trop critiquer l'aspect graphique. Mais c'est vrai que... même mes... même les Hot Wheels sont mieux faites, quand même. Une voiture de flic. Ah, j'ai du mal avec le radar à me repérer. Ah, elle est impeccable. Hop là. Appuie sur pour près des objets, je suppose, pour activer quelque chose. Allez, on va tenir le rond. Envoie une cargaison de marchandises terriennes. À toutes les unités en position, maîtrisez l'être humain. D'accord. Ok, on a fait le grand nettoyage. Hein. Ah, ils sont où? Où êtes-vous, madame foirée? Oh, mais il y a des choses qui peuvent exploser là, on dirait. Envoie une cargaison de marchandises derrière. Ouais. Hein? Oula, mais ils arrivent là. Vous arrivez à Donf là. Ah, impeccable. Hop, on capte pas trop avec la caméra là quand même. Hein. Ça nous rappelle que la 3D, c'est pas évident quand la caméra doit se placer. Alors, il manque quelqu'un là, non? Ah bah oui, j'ai quelqu'un là. Il est où? Ah, mais te voilà. Et ici. Ok, j'en ai encore un ici. Ouf, là plutôt. Tu t'étais caché. Après, peut-être qu'il y a d'autres coups qu'on peut faire, hein. Style prendre un ennemi, le jeter loin, ou je sais pas, hein. Ça serait pas mal. D'accord, bon, il est vite crevé, lui. Allez. Prépare-toi. Le vaisseau envoie des défenses de ton côté. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord. Ok. Carré et triangle, ça va faire quoi? On va aller là. Hop là. Je pense qu'il faut continuer à avancer. D'accord. Émanation d'énergie. Oh oh. Brainiac dispose d'une force d'invasion complète sur ce vaisseau. Nous devons absolument le détruire. Ok, allez, détruisons le vaisseau. Peut-être qu'il faudrait que... Non, on va continuer à avancer vers là-bas. Allez, venez. Venez, bande d'enfoirés. Oh, qu'est-ce qui m'arrive, hein? L1 pour briser les effets contrôle des... Putain, j'ai pas compris. D'accord. C'est bon? Oh, mais il a l'air d'avoir un super truc là. Allez, ça me plaît ça. Je peux taper. Non, apparemment,
D'accord. Ok. Quand on me paralyse, j'appuie sur R1 et ça me permet de, voilà, de bloquer des attaques. Ah, mais je peux faire des roulades aussi. D'accord. Ah oui, il a une protection, lui. Mon super pouvoir, ça lui fait rien. Ok. Putain, quand il n'y en a plus, il y en a encore, quoi. C'est bon. Allez. Dégage. Impeccable. Oh. Putain, qui c'est celui-là? Dégâts sur le vaisseau en augmentation constante. Éliminez l'individu en fuite immédiatement. Ouais, mais c'est ce que vous faites un petit peu depuis le début, les gars. Ah d'accord, ça c'était pas mal ça. Ok. Super. Ça me plaît ça. Alors qui c'est qui manque? Putain mais ils changent de couleur quoi. C'est disco aujourd'hui quoi. Ils ont des boules de plein de couleurs différentes. Chaque fois il y en a un qui arrive avec une autre boule différente quoi. Il me saoule lui. Et alors? Il fait quoi lui? Moi je peux pas l'enlever sa boule là. Oh dis donc, j'ai des ces pouvoirs des fois. Tiens. Allez, dégage. Oh putain, encore un quoi, mais c'est pas possible. Hein. Je vais te caguer, con. Allez, je suis à donf là. Tiens, mange. Et dégage. Ok. Allez, est-ce qu'il y a une autre boule? Putain, c'est Noël quoi. Hein. C'est Noël quoi. Vous voulez des boules hein? Il y en a de partout. Allez, mange. Putain mais... Ils me font caguer là. Ouais, il me saoule lui. Ouais, tu m'as explosé ou quoi là? Eh ben putain. Il était temps quoi hein. Ah vache. Désolé, niveau 3. Eh ben ça me fait une belle jambe. Oh putain, il y a encore des qui arrive, hein. Allez. Autant que c'est des boules, ça me va. Parce que là, j'ai eu mon overdose de boules de couleur, quoi. Dégage.
Voilà. Oh, bah. Allez. Encore un ici. Allez. Tire-toi. On dirait Wingman quoi. Le mec on aurait dit Wingman quoi. Le dessin animé qu'on regardait quand on était petit. Détruis-le. Cela désactivera le réseau de défense externe du vaisseau. La Ligue pourra alors s'y introduire pour te faire sortir de là. Ils ont pas idée de faire des vaisseaux que c'est des labyrinthes quoi. Allez, mange. Et toi, viens ici, Wingman, là. Allez, mange. Ok. Oh putain, encore une espèce de gros enfoiré, là. Encore. Putain, mais ils sont de plus en plus. Hein. Oh putain. Oh là là, comme ils m'ont mangé. Non, vous avez pas honte, quoi. Faire ça à une femme. Bande d'enfoirés. Ok. Ok. Allez, on va se faire cet enfure là. Ah voilà. Ah maintenant, mon coco, tout à l'heure. J'avais pas compris. Mais maintenant, j'ai compris. Vite. Détection de dégâts. Allez, on va se le finir. Ne laisse pas les prisonniers s'emparer de la salle principale de contrôle des armes. Des dégâts dans les couplages de puissance peuvent déstabiliser le vaisseau. Impeccable. Moi j'aurais bien aimé qu'on se finisse au moins cet objectif là. Et bon, ça risque de faire une vidéo longue. J'avais pas prévu que ça soit aussi long. Je pensais que ça serait simplement une espèce de tuto plutôt rapide. Ah, peut-être qu'on va le finir l'objectif là. Qui c'est celui-là? Tu es dans le cœur de connexion. Détruis ouais. Tout ce qui relie le canon au vaisseau. Oh putain, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Bon, tu approches de la chambre du canon. J'ai mis Superman en état d'alerte. Il se téléportera à l'intérieur à la seconde où le canon sera hors service et où les boucliers seront désactivés. Ah bah d'accord, en fait, Superman il viendra quand tout sera fini quoi. Une fois que j'aurai tout fait le boulot quoi. Merci Superman quoi. Vous pourrez pas se ramener de suite là. Ça m'arrangerait. Oh putain, oh ils me font mal eux. Arrêtez le prisonnier. Oh putain, mais oh, vous allez vous foutre la paix ou quoi? Ah, il y a un paquet là. Dégage. Allez, on va détruire ça. Et Superman, viens vite m'aider quoi. Il ne reste plus qu'un couplage. Ne déçois pas Brainiac. Putain, il descend. Ah, Kiroi, allez! Super! Oui, le canon tombe. Il s'écrase sur le champ de force de Brainiac, en dessous. Ah, mais voilà! Non, mais oh, c'est pas fini! Tu te soumettras. Oh putain, il manque lui là! Un test! Allez, lui je pense que je vais bien le manger quoi. Oh putain, il m'a fait mal. Tu m'as fait mal en fuyant. Vite. Allez, vite. Allez, on va en profiter. Oh putain. Oh,
pense que là, on va se le finir. Allez, non, dégage, connard. Celui-ci a échoué. Alimentation coupée. Superman, prépare-toi. Je te fais entrer. Ouais, Superman, viens, tout est fini. La fête est finie, tu peux venir. Tu cours à ta perte. Tu sombreras avec le vaisseau. Voilà, là tu vas se ramener, tan tan tan. Oh, mais y'a plus rien. Réfléchis bien, Brainiac. Tu ne peux pas te débarrasser de nous deux en même temps. Nous ne partirons pas tant que nous n'aurons pas... Tu ne peux pas défier la volonté de Brainiac. Rends-toi maintenant, ou fais face à ta destruction. Ah, je me sens vachement mieux maintenant que t'es là, Superman. Franchement, j'ai pas l'impression que ça change quelque chose. Putain, c'est vrai que les MMO, des fois, c'est le foutoir complet, quoi. Ça me rappelle des souvenirs de MMO que j'avais joué il y a longtemps, quoi. Et des fois, c'est vrai que, putain, c'est le foutoir, quoi. J'y suis presque. Mais continue à te battre. Le réseau refuse encore de me laisser entrer. Putain, c'est le genre de jeu que quand tu commences à jouer, putain, tu t'as jamais fini, quoi. Je pensais pas que ça serait aussi long. C'est bon. Vaisseau moissonneur 7-0 a été compromis. Déploiement des forces restantes sur Terre. Ce vaisseau a été compromis. Évacuation de toutes les unités. Allez, il en reste quoi? 2. On a fini. Eh ben Superman, heureusement que t'étais là, hein. Dis-moi Superman, tu trouves pas que je suis bonne quand même, hein? Hein? Comment tu me trouves? Je te fais même pas envie, quoi. T'es vraiment un enfoiré, quoi. Ah oui, on va lui parler. Bon travail. Brainiac ne s'attendait pas à ce que tu te libères et désactives son vaisseau. Maintenant, utilise le téléporteur et retourne en ville. Nous avons du pain sur la planche. Oui, c'est fait. Superman va terminer le boulot ici. Passe par les téléporteurs pour t'échapper. Vas-y. Ouais, j'y vais. Tan ta tan, ta 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 tan. Allez, impeccable. Voilà, on vient de se finir au moins cet objectif-là. C'est un petit peu ce que je voulais. Ça envoie du bois Benoît quand même, hein. Autant on a eu une bonne cinématique en image de synthèse, autant là les cinématiques en comics sont vraiment là c'était vraiment superbe quand même, il faut le reconnaître. Bon mais voilà, je suis désolé que ça a été un petit peu long parce que voilà, je pensais pas que ça serait aussi long à atteindre un objectif, sachant que c'était une découverte et je voulais voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, ça voilà, ça me plaît plus que ça, mais c'est plutôt sympa quand même, hein. Allez, je verrai peut-être pour continuer. Et peut-être dès que j'aurai peut-être un endroit un peu plus original, peut-être quelque chose de plus sympa à faire, ben je referai peut-être une petite vidéo. Sûrement moins longue, ça c'est sûr. Mais voilà, c'était pour faire cette découverte avec vous. J'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo malgré sa longueur. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires, ça sera avec plaisir. Voilà, que j'y répondrai et qu'on partagera ensemble un petit peu voilà, nos points de vue. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.